Ok, une morsure. Réelle morsure, une. J'ai eu confiance et c'est pour ça que je t'ai amené mes chiens. Parce que moi, mes chiens, ben voilà, c'est, je les aime beaucoup. Hein. Donc je ne les aurais pas mis entre les mains. Entre voilà. Mais quand je t'ai vu faire ça, j'étais mais alors décontractée. J'avais confiance en toi. Bienvenue chez Eric Trampson, organisme de formation déclaré par l'État. Je suis éducateur canin, diplômé d'État, et je suis le spécialiste de la rééducation des troubles du comportement de vos chiens ou de vos chiots. Si votre chiot tire en laisse ou des problèmes de propreté, tout ce qui est discipline d'obéissance, si votre chien est agressif, si votre chien est prévu à l'euthanasie ou votre vétérinaire vous diagnostique qu'il faut castrer votre chien parce qu'il a un comportement dit agressif ou mordeur, je vous invite à venir me voir dans ma structure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir José et Karine qui sont accompagnés de deux bouviers bernois qui s'appellent Obélix et Obama, qui sont âgés de 13 mois. D'accord. Pourquoi vous êtes venus me voir? Pour une bonne éducation des chiens, tout simplement. Ok. Ouais, puis voir leur comportement, avoir votre avis. Ok. Ouais, ouais. Vous m'avez connu comment? Sur internet. Alors pourquoi tu m'as choisi? J'ai choisi, je sais pas, ça m'a bien inspiré. Et puis les vidéos, la première petite vidéo et tout ça, okay. Je sais pas, ouais, il y en a comme ça. Je fais confiance à ma femme, moi je... Après il m'a suivi, moi, j'ai pas expliqué. Le temps. Et... D'accord. J'ai expliqué, j'y allais, c'est parti. Donc vous connaissez ma particularité en tant que dresseur de chien. Mmh. Ça c'est important, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode que vous avez mis au point. C'est pour éviter l'euthanasie. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Je me rappellerai du mot. Bon, alors on va faire le test d'évaluation et d'agressivité pour Obama. Ok. Le rituel, tu l'as vu celui-là ou pas? Non. Ça va être toutes les vidéos alors. Test d'évaluation, donc numéro 1 sur Obama. Bon, Obama, il m'a l'air plus speed paradoxalement qu'Obélix. Là, il a la tâche normale, il connaît pas, c'est pas son territoire. Donc je vais commencer tout de suite, peut-être là il va y avoir un peu plus de répondants. Voilà, très bien. Test d'évaluation numéro 2 sur Obama. Je vais passer donc la laisse autour du cou du chien pour avoir la maîtrise totale et son contrôle. Ok. Ça c'est intéressant. Très intéressant. Ok. Ok, une morsure. Réelle morsure, une. Non. Non. C'est fini. Stop. Pas touché. Non. Calme-toi. C'est fini. Chut. C'est fini. Stop. Assis. Bien. Calme-toi. Pas touché. Non. 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 Très bien. Non, 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 j'ai dit, non, bien, très bien Obama, pas toucher, pas bouger, non, 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 bien, pas bouger, pas toucher, non, passe bien loin, pas bouger, pas toucher, non, assis, très bien mon chien, ça c'est Obama assis, bon chien, pas bouger, pas toucher, tu l'emmènes. Alors là, Obama, tu... au pied. Voilà, t'as très bien. Touché, pas bouger. Très bien ce que tu as fait. Allez, pas touché, pas bouger. Très Obama, bien. Pas touché, pas bouger. Au pied. Obama au pied, très bien. Au pied. Obama au pied. Parle bien avant et parle et pars après. D'accord. D'accord. Obama au pied, pas bouger, pas toucher. Doucement, doucement.
Et bien, voilà. au pied. Il n'a pas bougé, pas touché. Pas bouger, pas toucher. Doucement, au pied. Détends bien ta longe, détends. Pas bouger, pas toucher. Au pied, voilà. Pas bouger, pas toucher. Ça, c'est bien. Au pied. Ça, c'est Obama au pied. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Au pied, pas bouger, pas toucher. C'est bien, Obama. Au pied. Je peux le dire. Et du mouvement. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Au pied, Obama. Très bien, pas bouger, pas toucher. Travaille-le bien. Pas toucher. Je fais peut-être pas 80 kilos. C'est juste pour l'accompagner, je voulais pas. Ouais. Mais si t'es à côté, vas-y, aide-le. Allez, viens. Aide-le, voilà. Allez, viens. Allez. Stop, je mets de côté. Attends, rassure-le. C'est bien, bébé. Obama, calme-toi. Doucement. Voilà. Et après, ça va être la rigolette. Allez, Obama. Allez, on y va, Obama. Allez, Obama. Allez, viens. Allez, viens, oui. Allez, non, tout. Allez, viens. Allez, c'est bien. Allez, voilà, c'est pas grave, tu l'aides, tu peux mettre la main ici, sur le ventre, tu l'aides, allez bébé. Là, ce qui est intéressant, c'est pas mal, tu vois, regarde, là tu l'aides. Bien, la différence. Tu vois, c'est bien, mon c'est plus tranquille. Allez, on y va. Oui, Obélix, voilà. Bravo. Obama, pas toucher, pas bouger, Obélix. Au pied. Voilà. Allez, pas mal de... Ça remotive, ça fait se remettre en question et surtout se dire que bah ouais, c'est tout, le travail paye quoi. Ouais. La relation avec le chien est hyper importante. Ça. C'est vraiment un échange, une confiance. Quand je vois comme on est arrivé, il montait pas sur la passerelle. La passerelle et là, ils y vont sans hésiter et tout. Enfin, je suis super heureuse quoi. Non mais. Oui, quand vous êtes chez moi, mettez de la pommade anti-moustique, prenez dans la voiture, c'est important. Ou alors avoir du cuir sur soi. Non, très bien, ouais. Il y a beaucoup de changements, un peu de temps, avoir une maîtrise du chien intelligemment, donc c'est très enrichissant, c'est bien. Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vont vous regarder à travers cette vidéo, qui ont des problèmes de comportement, de simple éducation, que ce ne soient pas des chiens forcément agressifs, des chiots? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Apprendre à comprendre le chien, je pense que c'est... cette chose-là qu'il faut faire d'abord. À comprendre et comment il fonctionne en fait. Et tout lui, est possible. Et lui montrer comment nous on fonctionne et apprendre à. Ben, à se la faire base, obéir. Ça part de nous. Ben, Obélix, tranquille, sûr de lui, donc peur de rien. Donc il n'a pas lieu de s'inquiéter. Donc il ne bouge pas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, dire, oui, bon, on l'aurait pensé plus à attaquer, à réagir non, agressivement par rapport à. Sur les chiens, c'est là où j'ai été étonné quand il y a eu Ulys. Et Obama, finalement, très peureux. Et cette peur peut amener à une agressivité et mordre quelqu'un. C'est ça. De la peur, pas qu'il soit méchant, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti là, parce qu'il a quand même mordu à un moment donné. Quoi. On connaît son animal. Obélix, lui, il est plus tranquille et plus assis, un bruit, tout ça, il s'en fout parce qu'il sait qu'il est. Je crains des gars. Il est fort, Obélix. Ouais. Fort dans sa tête, il est fort dans sa prestance, dans son allure. Il est posé, quoi. Voilà. Il est posé, on l'a vu, de toute façon. Le test d'agressivité d'évaluation, il trompe pas. Ah ouais, non, mais là. C'est, on peut dire ce qu'on veut. Vous êtes là en première loge, les gens sont sur les vidéos, ils peuvent se poser des questions. Est-ce que vraiment ça marche? Que réellement c'est vrai? Bah, répondre à la question. Ah ben oui, non, c'est efficace. Parce que les gens se posent des questions en disant ouais, c'est truqué, mais ça veut dire non, que non, c'est truqué. Non, pas du tout. Moi, je peux mentir. Non, on assiste mais vous... du début à la fin. On est assis là, on voit tout en direct, donc il n'y a pas de. Non, non, très très efficace. Non, pas du tout. Déjà, quand on te rencontre, en fait. On ressent bah, la passion que tu as pour les chiens. Donc moi, non mais c'est pour ça que je veux dire, moi qui suis très sensible, depuis la vidéo, très, hein. très émotive, ouais. donc D'accord. en fait, voilà, je savais que ce que tu allais faire, c'était pour leur bien, quoi. Ben, donc honnêtement, voilà. De quitter là-dessus, c'est très bien. Bah oui, écoute, c'est vrai. Et n'oubliez pas de réserver votre livre sur www.
erictramson.com. Et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Maintenant, c'est à vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.